J'ai une question que l'on me pose très souvent, de savoir comment je fais pour m'inspirer ou pour avoir l'inspiration, c'est que je fais comme travail. Et ben, la plupart de temps, pour trouver de l'inspiration, j'ai besoin de m'éloigner de tout. J'ai besoin d'être vraiment dans la solitude, essayer d'être seul, rien qu'avec la nature, et essayer de vider mon esprit. Et en vidant mon esprit, qu'est-ce que je veux dire? Je ne vide pas mon esprit pour le laisser vide ou libre, mais je vide mon esprit en essayant de mettre d'autres connaissances. Je vide mon esprit par rapport à tout ce que j'ai comme connaissances, connaissances acquises par des recherches. Quand je me retire, par moments, c'est pour essayer de lire. Je lis pour apprendre ce que les autres disent ou ce que les autres font. Ça fait du bien d'être seul. Ça fait du bien par moments de s'évader de tout ce qui est bruit de la cité, des véhicules, tout ça. Être juste avec la nature et essayer de lire. Essayer de lire pour inclure ou mettre beaucoup plus de connaissances par rapport à tout ce que nous avons. Et surtout, ça nous aide à sortir de notre zone de confort. Zone de confort qui est l'habitude, en fait, quelque chose que nous avons toujours l'habitude de faire. Par exemple, pour le cinéma, je sais qu'on place la lumière ici ou là-bas, ou je sais qu'on conduit les acteurs de cette manière. Mais en lisant, on se rend compte ou on voit comment les autres font ou comment les autres penseurs ont eu à penser à la manière de faire qui certainement se diffère de la nôtre. Alors, je nous encourage vraiment de prendre le temps. Je nous encourage de prendre le temps de lire, de prendre le temps de nous emmagasiner, de voir autre chose pour nous permettre d'ouvrir notre mind, comme on dit, qui va nous permettre de pouvoir « think out of the box », comme on aime bien le dire. Essayons de réfléchir en dehors de notre zone de confort, restant dans ce qui est toujours la découverte, la découverte, la découverte. Et cela sera possible que quand vous prenez, vous faites un break dans ce que vous avez l'habitude de faire. Apprendre le cinéma n'est pas forcément travailler pour apprendre. C'est vrai, travailler, ça donne de la... ça donne plus de connaissances dans la matière et ça donne beaucoup plus d'expérience aussi. Mais travailler, c'est du pratique. Cela n'empêche de rajouter dans cela la théorie. Parce que la théorie vous permet de rendre logique ce que vous avez pu faire pratiquement, de rendre logique d'une certaine manière, de savoir comment le refaire s'il fallait le refaire prochainement. Donc voilà comment moi je passe mon temps pour essayer de m'inspirer, comment moi je passe mon temps à essayer de découvrir autre chose d'une autre manière, en essayant de lire ce qui sont passés avant nous et ce qui nous ont permis de connaître ce monde merveilleux qui est le monde de l'art. Je vous dis quant à moi merci et bonne journée à vous.